Tiens, vas-y, je vais prendre le truc où on peut avoir des headliners un tour plus tôt comme ça au level 7. Je pourrais avoir. Est-ce que si je pourrais avoir le 7 ce coup-ci comme ça? Pour trouver mon Karthus ou Bahari, j'en sais rien. Ta-da-ta. Oh, c'est la magie de Noël! La magie de Noël! Alors là, je pense que la magie de Noël va opérer, les amis. Là, là je pense que sans équivoque, là, là, on va pouvoir observer. Ça va être incroyable. Hein. Oh là là. Ta-ta-ta. Je fais la quoi? Je fais la parlante. Ah bah tu. D'accord, ok. Mais encore. Quoi ce start à la con là? Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Attention, je joue Twitch Panthéon Reroll? Pas du tout la flemme. Je déteste ce portail. Ouais, moi aussi, mais je sais pas, j'ai envie d'aller dessus. Ça va, là, ça va le 7 comme never là pour choper le 4 cos qu'on veut là. Je vous préviens, il va pas falloir parler javanais. Hein. Ne vous déplaise. Je déteste avoir ça en début de partie. Ok, j'ai un early full tune avec beaucoup de thunes, on dirait. En dansant la javanaise. Est-ce que je prends la Evelyne? Ah là, comme ça, tout de suite, j'ai un peu la flemme de prendre la Evelyne, j'avoue. Laisse sortir le punk qui est en toi, Talk. Il est bien caché, vous savez. Ah bah, moi, je pourrais push pour aller 4 et avoir un élu 3 cost, mais. En même temps, est-ce qu'on veut pas plutôt. Tracer plutôt level 7 là? Bon, j'ai pas pris. Cela dit, j'aurais pu pré-push quand même, je pense. Bon, je prends Tri Company, hein. Oh putain, ah bah tu, pas le droit au bonheur quoi. Y'a moyen d'avoir Nicolas dedans ou pas? Ah! Attends, mais est-ce que ce serait pas mais vraiment que de la merde quoi du coup? Pour la. C'est 12 gold en fait là, je reconnais. Hein. Push. Ta-da, ta-da, ta-da. Ah, mais pas meilleur en vrai. Non, mais y a pas de. En fait, sur cette map, on peut pas vraiment jouer. Ah, d'accord. Sur cette map, on peut pas vraiment jouer une compo reroll parce que les élus ils apparaissent trop vite, trop fort donc. Voilà quoi. Bon, ça se trouve, prochain shop. On va se taper une Samira élu, mais bon. À tout moment, mais bon. Sympa le shop amélioré, hein. Pas du tout. Bon, je fais 20 gold, hein. T'es mal à taille du rat. Je sais pas pourquoi il est 9h30, mais j'ai envie de champagne. Est-ce que c'est pas ça l'alcoolisme? Est-ce que c'est pas... Pourquoi j'ai envie de champagne alors qu'il est 9h30? Est-ce que c'est pas précisément la définition de l'alcoolisme, après tout? Bon, je crois que mon ami va se faire casser le cul là, malheureusement. Oh, tiens, un gros Garen 2 en face là. C'est fort Garen élu, moi j'aime bien. Salut Remix. Après c'est Noël en même temps, j'ai envie de dire c'est normal d'avoir envie de champagne à Noël, n'est-ce pas? Badadadada. Allez Amumu, le méga cast. Allez fais le cast. Oh oui, il l'a pris dans sa toile. Je comprends pas pourquoi Amumu fait une toile d'araignée, mais ça c'est un... C'est un autre débat ça, mais... Faudra m'expliquer un jour, hein, s'il vous plaît. Allez, Kellen. Oui mon frérot. Oui mon Kellen. C'est ça. J'aime, tu veux qu'elle est fort. Qu'est-ce qu'il y a Edouard? Qu'est-ce qu'il y a Edouard? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux Edouard? Da 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 da.
Ah! Franchement, il aurait été jazz! Je pense que le doute m'aurait habité là, honnêtement. Ça s'achète, non, quand même? Je suis en Winstreak. Je sais pas, j'ai jamais allé grâce à Google Trad. Oh là là. J'espère que t'es en vacances, Edouard. J'espère, on dirait que t'as besoin de vacances là, mon Edouard là. T'as que t'as besoin de vacances là. Je pense que t'as besoin de vacances, Edouard. Après cette vanne. Allez, Amumu. Amumu, c'est vraiment un champion stylé sur LoL, je trouve en vrai. C'est Amumu, ça se voit pas, mais c'est un champion de Giga Chad en vrai. C'est vraiment, c'est les. Vous voyez, c'est les hommes qui, comme moi, n'ont pas peur de montrer leurs sentiments. Par exemple, l'autre fois, quand le Dungeon s'est effondré, eh ben j'ai versé ma larmichette. Voilà. Je pense que c'est important de ne pas avoir peur de montrer ses sentiments quand on est un homme pour les choses importantes de la vie. Notamment le cours du Dungeon. Ta-da-da, ta-da-da-da-da. Est-ce que je peux avoir le cours de la baguette, s'il vous plaît? Ta-da-da. Non, l'armure était bien aussi, mais bon, go baguette. Hein. Ah oui, c'est vrai que t'es d'astreinte, Edouard, tu nous as déjà dit, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que t'es d'astreinte, c'est vrai. Je me rappelle, Edouard, je me rappelle. Ne crois pas que j'écoute pas ce que tu racontes sur le chat, c'est totalement faux. J'étais totalement au fait de tes histoires. Y'a pas de problème. Bon, alors évidemment, le propos n'est pas de jouer jazz, hein, bien sûr, n'est-ce pas? C'est d'aller au level 7 ou 8. Parce qu'on peut aller au level 7, du coup, hein, assez rapidement. Et au level 7, zblem, on essaie de trouver Harry Elu. Harry Elu. Harry. Sinon, on va 8 quand même. Et comme ça, on peut peut-être trouver le légendaire Elu aussi, mais bon. Statistiquement, c'est improbable. Il a une grosse Lilia. Moi, le problème, c'est que j'ai peu d'items et qu'en fait, ma front, elle est un peu sus, malheureusement. Alors là, ce qui est bien, putain, le Amumu il est en train de faire. Le Bard il fait des heals de zinzin. Non mais en vrai, les heals du Bard sur le Amumu c'est légendaire doré quoi. Par contre, il a pas eu le temps de faire son Mega Cast malheureusement. Non mais ça va le faire en vrai. Hein. Là, c'est comme papa dans maman en ce moment le réveillon, j'ai envie de dire là. C'est parfait quoi. Ta-da. Bon, je vais acheter les morts de Kaiser, il coûte rien dans l'absolu. Enfin, je peux pas faire 30 gold donc. À tout moment, il y a Mordo Kaiser 2 et on sera bien content voilà, d'avoir le Kaiser avec nous. Vous savez ce qui manque pour des belles fêtes de Noël? Une petite journée de Ligue 1 là. Là, franchement, l'OM me manque là. Faire un petit match de l'OM cet après-midi là, sur mon canapé, avec vue sur le lac Léman. Je pense que c'est ce qui me manque pour un vrai Noël réussi quoi. Mais bon, apparemment, ils sont pas assez payés pour jouer pendant Noël, apparemment. Je comprends. Alors que moi, regardez. Quelle différence entre un footballeur et moi, qui stream pendant Noël. Alors lui, ça va être compliqué. Il y a le corps qui est lui, il y a un Garen 2. Bon, la vaille... en fait, la vaille, c'est sûr qu'elle est une Sunfire. Et du coup, pour le heal du Bard, on va tirer un peu la gueule. Est-ce que le Bard va avoir le temps de heal... Oh putain, ouais, alors c'est FF là. Je crois que c'est FF là. Non, ma win trick. Allez Bard, stop, elle fait quelque chose de ta vie. Allez, fais quelque chose de tes 10 doigts Bard, s'il te plaît. Allez, oui, elle est full dégâts, full dégâts. Oui, oui, mon Bard, c'est ça. Quelle différence entre Barbe et le entre Barbe, entre Bard et le Père Noël, à part la barbe. Est-ce que Bard n'aura pas une barbe? Je ne sais pas. Ah, j'ai enfin Nico. Ça va faire 50 gold dans les légendes, ça je crois. Bon, va peut-être falloir aller jusqu'au niveau 8 là quand même. Hein, qu'on est vraiment bien. Tout ce que le tirage sort de l'Europa, le Shakhtar. Je pense que c'est un beau tirage, je pense. Ça va être un beau match. Si on gagne, on dira pas que c'est un exploit, mais. Pour être content si on gagne, tu vois, je pense. Shojin, nice. Après, la vraie question, c'est est-ce que le Shakhtar est une équipe ukrainienne ou russe actuellement?
D'un point de vue extrêmement terre à terre, je pose la question. Voilà, je pose la question, j'ouvre le débat. Ça va être très précis, je pense qu'il faut être précis, hein. Comme disait Albert Camus. Ah, il y a l'MF, tiens. Je pense que peut Nicolas MF. Une Geisha aussi. Il dit, il faut être précis. J'ai un trou de mémoire. C'est pas une équipe de la nouvelle URSS. Ah voilà, mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Bravo. Merci. Non mais j'avais le malheur au monde, mais j'avais mal nommé, mais c'est pas la terminologie exacte, mais bon, c'est le message, quoi. Bref. J'aurais pu fermer ma gueule, ça aurait été très bien. Est-ce qu'on joue Little Buddies? Le problème de Little Buddies, c'est que c'est une très belle aguante, mais qu'elle ne me renforce pas pour le moment. Donc, c'est de la merde. Ça, je suis à 100 HP, c'est pas ouf. Ah mais le problème, c'est que Lucky Streak maintenant, là, l'âme du parieur, est-ce que vraiment, là, c'est zinzin, là? Je suis pas sûr de la qualité de l'item, là, tout de suite, hein. Ouais, je prends l'épitaphe sinon. Ouais, tiens, tu sais quoi, je prends l'épitaphe. Et là, est-ce que je passe pas le level 7 tel l'animal politique qui est en moi, les amis? Et là, non, là, peut-être Nico Echo a plus de chances de le garder longtemps qu'MF, je pense, en vrai. Voilà, c'est pas mal comme ça. Ah oui, ça c'est beau ça. Là, moi je dis oui, là, personnellement. Là, je dis oui. Oui. Tu vas m'enseigner ici. Oui. Et donc là, à partir de là, je vais vendre KSA et faire 30 gold. Voilà. Parce que je pense que c'est, comment dire, voilà, c'est un licenciement économique, mais je pense que voilà, ça permettra, je pense, à tous les, je pense que voilà, ce licenciement permettra à tous les autres salariés d'être beaucoup plus heureux dans la compo. Donc, voilà, je pense que c'est un, voilà, un dommage collatéral, je dirais. Cette KSA. Et nul doute que nous pourrons la réembaucher plus tard, évidemment, quand la conjoncture sera plus favorable, je pense. Non, mais là, le problème, c'est que là, je commence à regretter mon choix de map là. Parce que là, du coup, on va bientôt se taper des mecs qu'on roll dans le 7 et qu'on y roll des Harry 2. Alors que normalement, on devrait être pas mal jusqu'au level 9 là. Et du coup, c'est pas le cas quoi. Lui il a un Ezreal, mais bon, ça va ça. Ta-da-da. Depuis cette année, je m'intéresse plus à la Ligue 2 qu'à la Ligue 1. Et après 19 journées, Angers est leader, mais je pense qu'on ne montrera pas. Mais si, il faut y croire. Il faut pas dire ça pendant les fêtes de Noël, quoi. Au contraire, les fêtes de Noël, c'est le moment où il faut être. Faut être enjaillé à l'idée de monter en Ligue 1. Bon, j'avoue que Angers. Si c'est pour faire comme l'année dernière, ils peuvent rester en Ligue 2, mais bref. Ta-da-da. Ça y est, j'ai faim. Putain, chez moi, ça c'est. Chez moi, ça a commencé à se chauffer en mode on mange pas ce midi et tout. Je suis en mode. Mais regardez ou pas? Est-ce que vous m'avez seulement regardé, quoi, je veux dire? Bon, je passe midi, et bah, elle est bonne celle-là, tiens. Celle-là, elle est pas mal, celle-là, franchement. Non, mais là, j'ai un problème. C'est-à-dire que là, limite, j'aurais pu jouer Jazz, en fait. Bon, non, parce qu'il aurait été Jazz, en vrai, j'aurais hésité. Mais là, j'hésite pas, j'ai pas de choix, du coup. Non, mais est-ce qu'on peut aller 9? Et du coup, en étant au 9, on aura des rolls d'élus niveau 10, quoi. C'est ça la question. C'est ça la réalité dans nos hôpitaux! Je suis les stacks évitant de parler de la Ligue 2. Perso, j'ai de la pizza d'hier. Ah, la pizza, c'est vraiment légendaire, quoi. Je pense que c'est mon dream, faire une soirée pizza à Noël, en vrai. À la place du chapon, quoi.
D'ailleurs, on va manger quoi? Moi, ce soir, on mange. On fait un Noël poisson ce soir chez moi. On fait. Bon, les entrées, on va dire, traditionnelles de Noël. Après, on fait de la Saint-Jacques après. En entrée chaude, on va dire. Et derrière, on fait. Un petit mélange de poisson avec. De la lotte, du lieu jaune. Voilà, des. Truc assez sympa avec une petite fondue de poireaux et quelques champignons. Très sympathique quoi. Traditionnel bœuf de Kobe pour nous, mais bien sûr, le traditionnel bœuf de Kobe évidemment. On va se farcir au raisin, évidemment l'apéro, tout ça. Ah, c'est pas mal ça. Moi j'aime bien la caille en vrai. Après au raisin, on est un peu moins fan, dit comme ça, mais bon pourquoi pas en vrai. Je consomme déjà trop de raisin pendant Noël avec le vin, donc j'évite d'abuser du raisin quoi. Du layon, c'est extravagant. D'ailleurs, c'est le moment annuel où les gens vont pouvoir sortir leur sauterne dégueulasse, hein, d'ailleurs. Parce que oui, je tiens à rappeler que le sauterne, c'est évidemment dégueulasse, bien sûr. Même avec le foie gras. Je pense que c'est important de le rappeler quand même à notre public jeune et pas encore au fait des métiers de bouche, si j'ose dire, entre guillemets. Toujours important de le rappeler, bien sûr. C'est pas parce que c'est Noël qu'il faut sortir un sauterne. C'est dégueulasse. Voilà. C'était le message de la matinée, bien sûr. Ah, j'avoue que. Non, mais j'avoue, quand on m'a parlé d'art, moi j'aime bien le poisson, tu vois. J'aime bien la lodge, j'aime bien le lieu, etc. Mais quand on m'a parlé de ça, je me suis dit que j'allais me faire skip mon gratin dauphinois, tu vois. Mais apparemment, je l'aurai demain midi, apparemment. Donc, dans un autre repas de famille, donc. Bon. Voilà. J'ai accepté la négociation quand on m'a parlé d'un gratin dauphinois demain. Quoi. C'est vrai que. Skip le gratin dauphinois, ça se fait pas, quoi. Bon! On rigole, mais c'est pas comme ça qu'on va démonter la Nicole. Je slam tout, fuck. Là, j'ai envie d'aller 9 en fait. J'ai même pas envie de level up, j'ai envie de rester comme ça pour optimiser. Ou alors je roll après ce fight en vrai. Après ce fight, je vais en barde et je roll. Parce que là, il me faudrait limite une légendaire 2 direct, je pense. Hein. Genre Ziggs c'est broken, Ziggs Zalu maintenant. Et le Mont Basillac? Je pense sincèrement que le Mont Basillac c'est. Comment dire? C'est en dehors du champ républicain, je pense que c'est en dehors des valeurs de la République, je pense. Genre, y a aucune différence entre du Mont Basillac et un Coca-Cola pour moi, genre si tu veux. C'est exactement la même chose. Tu peux goûter les deux, c'est pareil quoi. Et merci beaucoup, John Oslot 0200. Apparemment, qui a été sensible au discours sur le Mont Basillac apparemment. Le coca c'est meilleur, c'est sûr. Je pense que le coca c'est plus fin que le Mont Basillac en vrai, je pense. Je pense qu'on peut le dire sans souci. Enfin, quand même, le coca. Je suis d'accord. De toute façon, rien de voir, bon rouge qui tâche. Hein. Voilà. Surtout à Noël. Hein. Surtout à Noël. Alors, ça, bon, bah, du coup, on va éviter. Hein. Surtout en troisième augmente, ça a toujours été nul. Enfin, non, j'ai plus mal. Martyr pour l'instant, j'ai déjà spell crit donc. Ton of stats! Allez, tu go ton of stats! Stats! Oh snap! Bon, j'ai aucune synergie à rentrer, UNT. J'ai pas envie de roll, donc. Tu fais la liste des 20 un jour. On peut déjà mettre. Le pinot noir en tier heads, je pense, pour commencer la tier list. Et le reste. C'est pas important. Bon, j'entrerai un Zach, mais sans conviction en vrai. Si tu rolls pas, tu vas finir c'était de la 30 HP. Je pense pas, le lobby est weak en vrai. Hein. Tu sais, genre même lui il a sa qualité lui, mais le reste est assez weak au final là, tu vois. Genre y'a un monde où on le bat même en vrai, je pense. Hein. C'est pas sûr, mais. J'ai tellement de thunes. En fait, là, 30 HP, t'es normal, là, tu peux perdre 70 HP en 4 fights, hein, t'es en vrai. Non, t'es dans la vue là. C'est la bulle bien sociaux, je reconnais ça. Non, je suis choqué que le fait que je vais peut-être perdre, tu vois, mais. Mais en vrai, ça me va de perdre là. Je t'appelle qu'on va avoir forcément une légendaire élu parce que j'aurai des rolls de niveau 10 en fait, du coup. Pour l'élu. C'est quand même fort, hein. C'est pour ça que je fais ça.
Je crois que ça va chercher un Ziggs en légende là, je pense. Ta-da-da. Les 30 HP qui arrivent. Arrêtez, j'ai perdu 11 HP. Non, mais là, à la rigueur, je perds 30 HP à la rigueur, mais. J'en ai vu des gens dans la bulle, mais là c'est trop, il faut que je m'assoie là pour le coup. Non mais au pire j'ai 50 HP, au pire du pire. Mais moi je pense qu'on peut même... Bon après j'avoue que le Ezreal il est flippant en face là quand même, mais bon. T'as vu, je suis giga strong, t'as vu. Bon après le Ezreal, j'allais dire je gagne, mais le Ezreal a one shot en un spell tout le monde là. Est-ce qu'il y a ça encore? Allez Keyshot, allez Keyshot. Oui Geisa, oui. Non, c'est une good loss, je reconnais ça. Oh, c'est la good win, j'aime que c'est le point good win les amis. C'est le point good win. Non mais c'était sûr genre... Si le lobby était si fort que ça, j'aurais perdu les fights avant déjà. Si j'avais dû perdre des fights et que ça aurait dû être problématique, c'est en 3-5 quand les gens commencent à roll down au 7 que j'aurais perdu quoi, tu vois. Tu quittes en carry, tu as déjà niveau 2 full stuff et là hop elle apparaît en élu, tu fais quoi? Tu montes ta kite niveau 2 pour stuff l'élu? Ça dépend si il te manque des persos front importants ou pas. Si t'as déjà tout, oui, mais si te manque d'autres trucs importants, pas forcément non. Je viens de prendre une BT. Là en vrai, là ça va jouer à Yorick en légende aussi. Enfin là je vais rentrer une full piba là. My buddy's ready là, comment dire. T'as une synergie de plus pour Jazz, c'est cadeau de la maison. Bon Nico ça va pas rester. Bon je pense que ça non plus, ça non plus. Donc bah, ça va jouer en légende la spéciale hein. Il manque qui dans la spéciale là? Sona, Jin, bah MF, j'étais déjà en vrai. Ah, la comp elle est pas dure, tu cliques juste sur des légendaires en vrai. Bon, le Lyonnais 3 va me casser la gueule, mais à la fin il restera peut-être que Lyonnais donc en vrai. Not my shit, hein, comme on dit. Si on peut fumer la Katarina là, merci. Allez, un petit coup sur le Viego là, un petit coup de bâton là, dommage. Salut Tisco53, bonjour. Je rappelle que je fais ça parce que on est sur la map Showtime. Oh, qui voilà. J'avais mis Lucienne, oui, j'avais mis Lucienne là. Dans le planeur. Ah, j'avais pas vu Lucien dans le planeur. Oui, parce qu'il n'y a pas Sona en fait. On est d'accord que le meilleur élu, c'est plutôt Ziggs, on est d'accord là. Genre, Ziggs élu, c'est vraiment broken. Hein. Ouais, franchement, la Remix, c'est dans mes projets, ouais. C'est dans mes bonnes résolutions. C'est dans la bonne résolution, promis. J'y pensais l'autre fois en plus, mec. Je gagne presque encore. En même temps, j'avoue que le Lucien il rend la compo vraiment extrêmement forte là en plus. Là. J'ai failli gagner quoi. Bon, dommage. En tout cas, on a perdu 29 HP du coup. Voilà, pas 30, j'allais dire. Melky il sera à 30 HP, j'ai dit non, mais j'en perdrai 30 et voilà. Écoutez, la preuve par 9, hein, les amis. En tout cas, je note que... Non, 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 mais alors, je tiens à dire quand même à notre charmant public qui est avec nous ce soir, ce matin, que nous ne terminerons pas l'année 2023 sans être challenger, hein, je tiens à le dire. La tweet de Unit, j'ai cité ton nom. C'est vrai que Unit a fait un tweet où il faut citer les noms des joueurs de TFT pour un concours. C'est ça? Ouais, c'est pour un tournoi Twitter. Tiens, regardez, vous pouvez citer mon nom sous ce tweet, le chat. Vous pouvez me taguer sous ce tweet. Faut que je sois dans le concours et que j'ai perdu le premier tour. C'est vrai que je l'ai vu. Je compte sur vous pour me citer pour que je perde le premier tour, les gars. Alors attendez, parce que là c'est du sérieux. Donc là, Bard, ça dégage. J'ai un Lucian et du Jazz. C'est pas mal hein, quand même. Hein. C'est pas le pire, hein, j'avoue. Peut-être virer le canal un peu tôt en vrai. Je suis fort ça en vrai.
Dernier item, dernier item, dernier item. Archange, tant pis. Pistolet à sinon. Je peux rentrer 7 du coup. Il est beau ce Ziggs en termes d'attaque speed. J'ai lu par contre. Salut Juste69. Alors Lucien était pas mal, mais Ziggs élu en termes de dégâts, c'est vraiment zinzin en vrai pour le coup. Genre le mana réduit de 15 là, c'est légendaire en vrai, franchement. Par contre, j'avoue, je trouve qu'il est moins l'attaque speed un peu ce bâtard. Même. Après, il manque Yorick, qui est extrêmement important parce que Yorick rentre une double synergie si vous voulez. Donc pour le 3 jazz, il est très important. C'est le diminutif de Jason Tatan. Ah oui, d'accord, ok, bah c'était pas du tout intuitif hein, pour le coup. Mais bienvenue à toi, Jason. Avec son pseudo, c'est JZTT. Il m'a dit c'est le diminutif de Jason Tatan. Bah d'accord, ok, très bien. Excusez-moi, je manque de culture apparemment. Bon bah voilà, écoutez, c'était une belle game. Hein. Bonne affaire, très bête. On a passé un bon moment, j'ai envie de dire, voilà. Écoutez, top 1, top 8 player, hein, confirmed. 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 Jusqu'à ce que le Lyonnais fasse un go back line direct et one shot toute ma team là. En quelques secondes. Ah non, il est sur la île à oeil. Ça c'est bien ça. Ta-na-na-na-na-na. Est-ce que le Yone va me battre là en vrai? Ah non, Ziggs peut le one shot là? Non, pas du tout, il peut pas du tout le one shot en fait. Mais what? Mais le Yone il face pick quoi en fait hein. Il face pick hein. Il face pick about team. Si vous me posez la question à propos de Yone, je vous répondrai, mais on peut peut-être se faire ban après. Un gangan en légende, non? Moi, le blue buff me plaisait bien. Il y avait une spade country quand même pour le set country. Hein. il faut trust les bonnes affaires en vrai, je pense. Il faut juste trust les bonnes affaires, à mon avis. Je vais pas faire top 2 à cause du Yone, s'il vous plaît, quoi, pitié, quoi. Vous allez pas me faire ça quand même, quoi. Est-ce qu'il est Yone? C'est lui là. Oh, c'est vraiment terrifiant les Yone, hein, franchement. Ta-da-ta-ta-ta-ta-da. Ta-da. Ta-da-pa-pa-pa-pa-pa.
C'est la musique de jazz qu'on entend là du coup, on est d'accord? Je pense hein, c'est, j'ai 3 jazz donc c'est pas logique. C'est pas très jazz en vrai. Je crois que c'est un mélange de jazz et d'hyper pop. Ah c'est hyper pop ça, ok ouais. Et pourquoi on entend pas de jazz du coup, c'est du trolling? D'ailleurs c'est légendaire en plus, il est lui hyper pop, c'est super fort en vrai. C'est mieux que Dazzler vu que j'ai déjà Dazzler avec Bard en fait. Ah c'est Jean ça. Il a un Winstreak lui? Ah ouais, ah bah oui, ouais. C'est pas mal son board. Après il est bien paqué pour Zig, ça va être parfait hein, franchement. On s'est trouvé Yorick 2, ah j'ai un Jean élu, bon on s'en branle là. Ouais c'est vrai qu'on s'en branle là. Je trouve un Bard 2, ce cadeau. Pas mal le stuff du Yorick en vrai. J'espère qu'il a remis Lyonnais là et qu'il l'a pas laissé en face du Yorick. Fuck. Donc mon Yorick va se faire casser le cul sans envoyer la méga ghoul là je crois. Et ce heal de ouf en vrai avec la mété. Ok j'ai rien dit. Surtout que le Yorick est en train de tabasser le Lyonnais. Ouais mais ça va pas suffire. Ah non mais le Yonnais, non mais au secours, non mais à l'aide en fait. Non mais à l'aide, s'il vous plaît. Non mais s'il vous plaît. Non mais s'il vous plaît. Kill me please. Kill me. Après en vrai le Yone va s'empaler normalement sur lui qui est paquet. D'ailleurs faut qu'il se repack pour fumer le Yone, non peut-être ça revient. Tu vois la douille de Noël? Ah bah là je vois bien la bite de Noël arriver là clairement. Sauf qu'elle est en train d'arriver là. Féroce et fugace. Ah il est 1 off Akali, non 2 off Akali 3. Bah pas de chance hein. Là clairement il va mourir là si vous me posez la question là. In my book il décède sur ce fight hein. Et le Yone est en train d'éclater encore quelqu'un là. Ah non le Yone a perdu, j'ai rien dit pardon. Contre une Kiana justement. Moi je vais laisser la Kiana fumer le Yone et moi je vais fumer la Kiana, ok. Oh, pas la douille de Noël, je vous en supplie quoi. J'avoue que sa sona élu est terrifiante en vrai. Hein. Bon, on va voir. Un croc du dragon sur My Doy. Peut tenir longtemps ça, non? L'autre il attaquait mon fantôme, il va se régaler. Ça va, sa Kiana a un item, déconnez pas s'il vous plaît quoi. Que quelqu'un bute la Kiana. Non, par contre, sa Kiana qui spread les items à. Non, mais j'avoue que la Kiana. Non, mais la Kiana qui spread les items à tout le monde, c'est insoutenable en fait là. Allez mais Zix, qu'est-ce que tu prends le connard? Pardon, excusez-moi. Allez tape. Oh là là, oh je suis abattu. Oh. Ok bah c'est une fin de carrière là en fait, je reconnais. Hein. C'est la douille de Noël. Hein. On est en plein dans ce que j'appellerais la douille de Noël là actuellement. Je me tire, super. Je fais une rédemption en légende du coup là. Nanananana. Là je vais me faire Yoned et normalement après je tag un fantôme et je pète le fantôme et le Yoned se fait péter et je suis au moins top 2 au moins quoi. Selon mes calculs.
Un top 3 c'est impossible, statistiquement. Selon des calculs que j'ai menés moi-même. C'est pas possible. Sauf si Lyonnais gagne. Ouais, c'est ce que j'appelle les selon mes calculs. Il gagnera pas selon mes calculs, quoi, en gros. Bon, là, le Lyonnais il est sur la Ilaoi. La Ilaoi elle va tanker, on est d'accord là. Ouais, c'est bon, ce coup-ci ça va le faire. Hein. Il y a eu l'ulti de Thresh aussi. Allez hop, ça dégage. Fallait juste mettre la Ilaoi en face. Hein. Qu'est-ce que je kiffe la compo Annie. Ah bah elle est belle la France, tiens. C'est là, il a Kiana, il casse Burn as fuck. Pourtant elle a que une Titan hein, au secours. Joyeux Noël, te connais. Franchement, ils t'ont offert une belle remontada pour la fin d'année. C'est pas mal en vrai. Ok, je gagne. Fallait surtout que lui il est pas X2 quoi, s'il trouve X2 c'est chiant quoi. J'aurais sûrement pas eu dans les gars, moi je comprends, je comprends. J'avoue il faut que je tentacule Kiana. J'allais dire une dinguerie. Sinon Blue Buff Jean, on y pense ou on y pense pas? Parce que moi j'avoue j'y pense secrètement depuis quelques minutes là. Bah, on y pense pas apparemment battu. Vous êtes team cadeau ce soir ou cadeau le 25? Moi je suis team pas de cadeau. C'est en sens dur, hein, vous savez. Ce soir en légende. Le Thresh est bien là, il est sur Sona et Ziggs. Ça va le faire là, non, je pense. Hein. Bon, après, il se fait cesser pendant une demi-heure, mais voilà, une fois qu'il caste. Non, l'ulti de Thresh était vraiment légendaire là. C'est chaud, j'ai plus de front déjà. Ok, je perds. Et mais il est 10, mais moi je vais en passer 10 sur ce fight, mais bon. Pas comme si rentrer à Pitfire allait beaucoup m'aider sur le Ezreal. Ah pourquoi j'ai mis le Thresh si loin, je suis un connard en vrai. J'aurais dû mettre Yorick entre intercalé entre les deux en vrai. Ok non il a bougé du coup j'ai pas fait exprès mais c'est bien joué. Et là Kiana est sur une tentacule. Même sur les deux tentacules. Franchement j'ai bien géré le placement sans faire exprès mais. Qu'importe le flacon pour qu'il ait l'ivresse. Ok je gagne là je pense hein. Si je gagne pas maintenant, je gagne jamais. Hein. En même temps, c'est le dernier fight par définition donc. Ok, pas sûr parce que peut-être que je vais pas moins 23 en vrai. Parce que là, je le bats, mais est-ce que je mets moins 23? Oh, légendaire. Légendaire